Et on est où ici? Outlets! Qu'est-ce qu'on va faire? Défense les sous! Alors on est à Vinland, Orlando. Oui. Prion qui est des Lunchfly. Prion. Prion. Des Lunchfly et des Spirit Jersey. Et aussi on va aller manger. Alors après la pluie vient le beau temps. On a essuyé une tempête tropicale. Et ce qui est agréable, c'est que la température a un peu baissé, ça fait du bien. Donc nous sommes donc au Orlando Vinland Premium Outlet. Alors. Pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent nos vlogs ou qui découvrent la Floride, il y a deux premium outlets. L'International qui se trouve sur International Drive et le Vinland, celui-ci. Sur Vinland Avenue. Donc il y en a deux à Orlando. Et donc voilà, ce sont des outlets by Simon. Et donc il y a aussi une application. Est-ce qu'on va l'employer cette application? Évidemment. Ah. Bah, rappelle-nous en deux mots à quoi ça consiste, hein, cette appli. Ouais. C'est l'appli de tous les outlets du groupe Simon. Et donc quand on s'inscrit, on a des offres en plus. Donc du genre à l'achat de 75 dollars dans tel magasin. Vous avez une réduction de 15 dollars ou une réduction de X%. Enfin, il y a plein de... Il y a des petits avantages, des quoi. Des avantages, voilà. En plus... De VIP Club, en fait. Voilà. De ça. Et donc, ces avantages qui se cumulent avec les avantages présents dans l'outlet, puisque, évidemment, ce sont des démarques sur les prix de grandes anciennes, comme, par exemple, Tommy Hilfiger. Voilà. Par exemple, regardez ici, vous avez. Vous avez, voilà. Elles sont à 99,50 dollars moins 50%. Voilà. Donc, 99, donc 100 dollars moins 50%, elles vous reviennent à 50 dollars. Et si vous employez l'application Simon, eh bien, par exemple, sur ces chaussures, vous pouvez avoir 10% supplémentaires. Donc, Très très fort. Eh bien, on va faire pipi. Et donc ces chaussures peuvent vous revenir à 40 dollars au lieu des 100 prix affichés à la base. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça que voilà. Maintenant c'est toujours de la marque. Hein, voilà. Et là on court pour aller aux toilettes. Parce que Mila doit faire un gros pipi. Un gros pipi, ben tu sais quoi. On prie tous pour pas qu'elle se fasse pipi dessus. Oui. Sinon, on va devoir acheter une culotte de marque, peut-être Guess ou Tommy Hilfiger ou je sais pas. Là, et qui va. Nous, on va dire Starter, c'est un truc d'un film, mais bon. Oui. Mais bon, voilà. Enfin, voilà, blague à part. Vous voyez, c'est quand même super intéressant de venir ici pour faire ses emplettes. Surtout, évidemment, en ce qui concerne certaines grandes marques. Tu vas scanner le code QR. Apparemment, il faut un peu le temps parce que mon réseau n'est pas au top du top. Ah, apparemment, ah oui, bah je suis déjà VIP moi. Oh, tu es déjà VIP? Bah ouais, bah ouais. Non, voilà, c'est bon. On rentre dans mon magasin fétiche, je guess. Toujours des promos intéressantes. On peut rentrer. Là, je fais toujours de bonnes trouvailles. Regardez. Peut-être trouver une casquette, un chapeau. Oh, des bijoux. Style Pandora. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ah, mais elle voulait un truc style Pandora. T'es la meilleure si tu m'achètes. Oui, on va déjà voir les prix. Hein, c'est 29,99$. Ouais, mais il y a peut-être des promos dessus. Ah. Non, c'est pour les bags. Pour voir avec l'application Simon, voir si... avec un certain montant, on y arrivera ici, hein, pas de problème.
Alors ici, par exemple, sur ce rayon-ci, vous achetez un article et vous avez l'autre à moins 50%, donc c'est pas dégueulasse. Ici, par exemple, c'est toujours la même chose. Et alors, j'ai vu un peu plus loin, voilà, ici, par exemple. Ici, par contre, c'est tout ce rayon, c'est 50%, voilà. Elles sont à 35$. C'est super rare d'avoir des bottes hautes avec mon mollet qui rentre dedans en fait. C'est ultra rare. Et là en fait il y a un élastique. Et donc je rentre dedans et c'est les dernières qui restent et c'est pile ma taille. Ça dit quoi? Bon bah ça vient. Vous? Ouais. Maman regarde. 35$ pour des bottes Guess et attention qu'on n'a toujours pas la dernière promo de l'application Simon, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des joggers comme j'aime bien et par exemple il est à 65$, mais t'en achètes un, t'en as un à 50%, l'autre à 50%, c'est pas mal. Après, depuis que j'ai plusieurs enfants, je suis devenu un peu Lucien le Rapia pour moi. À dire que je suis frileux à dépenser 60 balles, ou enfin en tout cas 90$, 90$ pour deux pantalons. Non. Elle est très belle celle-là, la rose. Ouais, elles sont canon, c'est vrai. Possible, ça? Ouais, c'est fort possible. Et tu les as eu pour 34$. J'arrive pas à voir en fait la dernière étiquette. Je ne sais pas, mais bref, elles étaient chères à la base. Alors, on s'est arrêté devant Carter's. Oh, qu'il est beau! Ouais, et alors là-bas, il y a le Character Warehouse, hein, donc c'est le magasin Disney. Il y a une file de chiens pour y accéder. C'est par là que tu voulais aller voir pour des culottes? Ouais. Il est trop beau, il y en a aller voir. Ah ouais, d'accord, ok. Ah punaise, il n'y avait pas ça avant. Hein. Ouais, c'est abusé. Hein. Bah non, avant, c'était pas comme ça du tout. Hein. Depuis un petit moment, moi, je vois toujours ça, en fait, sur les groupes et tout. Et c'est toujours comme ça. Des pick-up, hein. La plupart des Américains, en fait, c'est comme à Paris, hein. Ils font des pick-up, en fait. Il y a eu un espèce de business par rapport à ça, un business énorme. Et donc, en fait, c'est leur boulot, quoi. Et ils font des pick-up pour les gens, voilà. Et du coup, ils achètent quand il y a un truc intéressant. Ils prennent 15, 20 lunch fly et puis ils les revendent deux fois le prix, quoi. Ah, t'as vu la file pour accéder? À un magasin, quoi. Ah oui, toujours. Ah, toujours, voilà. Bah, toujours, en tout cas, depuis quelques mois, quoi. Ouais. Bon, on reviendra, au pire, elle fera la file et moi, je fais autre chose. Oui. Puma back to school, trop mignon. Oh. Ici parce que. Ouais. Par contre, Converse est à moins 40%. Ouf. Sur certains modèles. Ça, on peut aller voir. Bon, allez, là, on va chez Leeds. Parce que je veux une casquette, parce que la mienne est en train de rendre l'âme. Et puis là, je suis sans casquette, je suis nu. Je me sens comme nu. Ah, c'est parti, mon kiki. Oh, ben j'ai rien vu qui me plaisait vraiment. Donc du coup, voilà. J'ai laissé tomber Leeds. Dommage, hein. Bon, pour son cadeau d'anniversaire, Liana aimerait se faire percer les oreilles. Elle a choisi les petites boucles d'oreilles Stitch. J'essaierai de zoomer en or. Donc du coup,
Elle va se faire percer les oreilles. Ok. Ok, ok. Alors, tiens, ça fait pas mal. Ça va? Waouh! La deuxième? Ça fait pas mal. C'est quoi la deuxième? Ah, je suis pas choquée. Elle va la fermer maintenant. Ok, waouh! Bravo! Attends, attends. Ok. 1, 2, 3. Ready. Oh non, ouais, il nous reste un peu. Waouh. Bravo. Waouh, trop belle. Ok, I'm gonna clean. Yeah. Elle va désinfecter. Vraiment. Promets, ça va. Si, allez, allez, Maïli. Souffle, allez. Te contracte pas. Ok, bouge pas. 1, 2, 3. Hop là. Alors, ça commence à piquer. Bah ça pique, mais c'est vite fait. Ouais, mais là t'as attrapé les oreilles, hein, tu sais. T'es quand même fort douillette, toi. Hein. Ça fait quand même mal. Mais c'est en une fois, quoi. Ça va pas pleurer, Maïli. C'est rien. Moi j'ai pas pleuré. Allez, vous êtes des super championnes. Ouais. L'autre, regarde, regarde comme t'es belle. T'as vu? Putain, mais elle, elle pleurait avec ses tresses, alors que Lionel disait rien, tu vois. C'est vrai. Allez. Allez. Oui. Ça va aller. Super championne. Super championne, super championne. Oh. Ok. Super championne. C'est allez, fait. Voilà. C'est fait. C'est fait. C'est fini. Ouais, c'est fini. Bravo. Yeah, c'est bien. Bravo. Ça marche. Oh. Il n'y a plus de fil au caractère à rose. Hello. How are you? Wow. Tu l'as, ça, non? Non, je l'ai pas. Tu l'as acheté? $24. Ah, les costumes, combien? $24. Les costumes sont à moins de 80%. Bon, voilà, on s'est précipité à l'entrée du caractère Warehouse, donc la boutique Disney. Parce que bah, voilà, toute la journée, il y a eu des files interminables et ici, il n'y en avait pas. Donc Amanda a foncé, mais genre, elle a lâché, elle a tout lâché, quoi. Elle a lâché la poussette, les enfants, elle a accéléré et voilà, elle a foncé. Et regardez, ici, elle, elle trouve des lunch fly. Pour l'instant, c'est sa grosse lubie, les lunch fly. Elle en a près d'une dizaine à la maison et regardez ici, elle est en train de faire une transition. Celui-là aussi, ça c'est Haunted Mansion. Ouais. Ça aussi c'est super recherché. Mmh. Et il était à $88. Et là il est à 4,99. Non, il était pas ouais. Alors les jerseys, d'habitude ils sont à presque 100 balles, ici ils sont à 30 balles. Chez dinguerie. Ça m'étonne pas que c'est la cohue. Les jerseys ici sont à $15. 15. Le monde qu'il y a dans ce magasin, c'est oppressant en fait. J'ai limite envie de sortir parce que c'est trop pour moi. Amanda est super excitée, elle regarde à tout. Ouh, là-bas il y a des chapeaux, vous allez voir. Mais waouh, c'est oppressant. Bon, je suis sorti, c'était vraiment trop pressant, trop de monde. Limite, tu sais même pas regarder correctement à ton aise les articles. Donc voilà. La petite est contente. Je me suis fait percer dans son oreille. Juste une minute. Ah ouais. Coca Sprite. Santé, les gars. Le fameux food court avec plusieurs enseignes telles Sarku Japan ou alors là-bas, mais on ne voit pas, le Shake Shack et tout ce qu'on a. Voilà. Et alors on mange au milieu. Ils ont changé les tables et chaises depuis la dernière fois qu'on est venu, que nous sommes venus. Donc voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à commander. Hein. Bah, Amanda commande là-bas. Et moi, je vais commander mon burger là-bas, parce qu'évidemment, moi, je ne mange que des burgers ici. Oui, je suis un gros cochon. Hein, mon amour? Oui. Ok.
Et j'ai mon Shake Shack. Allez, où, où, où? Shake Shack. Shake Shack Burger. Kipling. Oh, wow. Wow. Celui-là, il est beau, hein. Donc en fait, si t'achètes un truc, t'as 20%, t'achètes deux trucs, t'as 30%, t'achètes trois trucs, t'as 40%. Et il y a toujours, c'est à mon avis, il y a quand même des zones qui ont moins 60%. Il y a 50% sur, sur certains articles là-bas. Oh, il est mignon comme tout celui-là. C'est un petit garçon, il est beau. Ouais. Non, non, cette année j'aimerais bien fumer que moi. Ah, ouais. 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 Oh, moi j'ai déjà mon choix, moi. Ah, ouais, c'est pas cher. Ça fait 4 ans, du coup. Oh, je trouve pas. Bah, après, il est simple, quoi. Ouais, il est simple. Très simple. Celui-là, il est beau aussi. Et spécial. Ouais. Alors, on sort de chez Kipling avec une note assez salée, mais... Ouais. Donc, en gros, Anaël, donc la plus grande, a un cartable. Elle a un sac à dîner. Elle a un plumier avec deux tirettes. Et elle a le gros plumier... que Kipling appelle c'est les 100 pence, les tout gros carrés. Donc voilà, Liana a un cartable aussi, sac à dos, elle a un sac à dîner et elle a aussi un plumier, les gros carrés. Et Mila a un cartable et un sac à dîner. Voilà, donc toutes les trois solide, hein. Sont totalement, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour leur année. Et donc voilà, avec l'application Simons, de nouveau, il y a encore eu 10% en plus des promos. Donc c'est quand même intéressant. Et donc au total, il y en a et eu. Ouais, attention, précisons que nous n'avons pas payé les taxes. Ah oui, oui, on était, oui, c'était ici, c'était un week-end, une semaine en fait, ou un week-end, je ne sais plus. Je pense que c'était une semaine complète, en fait, sans taxes. Et les taxes, c'est plus ou moins du 8% ici pour l'instant. 6,5, je pense. C'est 6,5. Donc voilà, bref, ouais, on vrai. A payé au total 427$. Donc ça doit faire une histoire de 400€ pour trois enfants en Kipling, quoi. Ouais. Donc ça fait une moyenne de 125€ par ouais. enfant. Ouais, ouais. Voilà. Et sur le ticket, il était indiqué que tu avais sauvé combien? On a gagné du coup 363, une petite chic dollars par rapport au prix de base. Par rapport au prix de base. Donc c'est quasi la moitié, en fait on a quasi eu 50% sur tout. Quasi, ouais, c'est et ça. Et ce qui est super, c'est que c'est des collections qu'il n'y a pas chez nous. Voilà. Donc pour moi, c'est des collections différentes. Ça veut dire que vous serez les seuls à avoir ça avec donc vous serez les seuls, vous serez les seuls à avoir ça. Parce que quand tu regardes... Ça Kipling, c'est pas ce qui manque dans ah les oui, écoles, non, clairement, y a que mais ça. Clairement, quand tu, y a que ça. Souvent tu vois les enfants les avec les mêmes ah sacs bah oui. ou à peu près. Ouais. Tandis que là, t'inquiète que ton sac, il n'y a personne qui l'aura. Quoi. Moi, j'ai appris mon Kipling il y a deux ans. Il n'y a personne qui l'aura. De mes 7e, j'avais un Kipling des Amériques. Parce que vous revenez dans 2 mois ici, je vous assure que les sacs ont changé. Hein. Oui, certainement. Hein. Donc voilà. Allez, ben on va continuer. Hein. Bon, dans notre budget vacances, on avait prévu hein, ça. Parce que ah sinon, oui, ça fait un gros trou. Hein. Oui, c'était prévu de faire. En fait, comme on revient pour la rentrée, ben, ah ouais. il fallait bien qu'on achète les affaires scolaires pour les enfants. Ouais. Donc, voilà. Très belle. Et voilà, on est dans notre temple. Temple de la Converse. Ah oui, ouais, elles sont belles, hein. Celle-là 80. Celle-ci aussi. Celle-là aussi. Mais toutes celles-là sont pas en promo. Celle-là aussi. Ah non, totalement, celles qui sont présentées à la base sont pas en promo. On va voir un peu. Celles-là sont en promo, toutes celles-là. Ouais. Allez, on va voir. Alors, j'ai trouvé celle-ci.
en cuir. Et alors le prix, c'est déjà le prix ristourne 64,97$ moins 40%. Tout ça sans les taxes, évidemment, qui d'habitude se rajoutent. Et on va regarder sur l'application Simon si on peut encore faire diminuer la note. Super intéressant, non? Des Crocs Converse. J'avais jamais vu. 34 moins 40%. Bon, finalement, mon choix s'est porté sur ces trois paires. D'accord? Alors, déjà, ce sont des prix soldés, il faut le savoir. La première est à 40$ en prix soldé. La deuxième, 60. Et la troisième, celle-ci, 50. Et donc, on a une promo Simon qui réduit la note de 15$. Plus une ristourne générale sur le store de 40%. Et donc aussi le fait qu'on n'ait pas les taxes. Du coup, on était pour ces trois paires à combien? Moins de 100 balles. $75, c'est-à-dire approximativement le prix d'une paire normale en fait. Donc en gros, c'est, si on veut résumer, c'est une paire achetée, deux paires offertes. Voilà, voilà. Ok, là on est sur le deuxième outlet, celui situé sur International Drive. Donc voilà. Et on est juste en face du Victoria's Secret parce que les filles veulent acheter des brumes. Je ne sais même pas ce que c'est. Très chaud, je trouve. Ouais, et on va faire quoi? Très chaud. On va outlet. Et on va faire quoi? Dépenser les sous, mais pas trop non plus parce qu'on est à la fin des vacances. Oui. Et donc voilà. Ah, il fait chaud, hein. Yes. Ouais, on dit toujours ça, en fait. Ah, fatalement, les magasins, on les a fait en long, en large. Il nous reste... Attention qu'il nous reste quand même une petite semaine, hein. L'air de rien. Bon, nous, on a l'habitude de celui-ci, qui est plus grand. Plus de magasins, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Après, par exemple, on a comparé... Ah bon, on va aller voir. On a comparé l'aéropostale, parce que c'est une belle découverte pour nous. J'ai acheté plein de trucs là-bas, à Vinland. Il est plus grand à Vinland, mais mieux agencé ici. Donc voilà. Et les articles, ben, fatalement, c'est les mêmes. Donc voilà. On rentre chez Fila. Oh, il est beau. Waouh. C'est joli, cool, ouais, c'est marrant. Wow. 10$ seulement. Oh, j'adore. T'aimes bien? Moi, je peux pas. Regardez si c'est pas méga soldé ça. 35$. La paire de baskets. Et alors avec l'application Simon, on va peut-être avoir un petit bonus en fonction de. Je regarde. Figuez, Kipling. Je regarde si j'ai. Et Anaëlle elle a choisi ces baskets là, je vais vous montrer. Pas cher non plus, vraiment stylé. Voilà celle-ci. Grande balle. Voilà. De base, je voulais celle-là. Ouais. Et un peu trop petite, enfin trop petite. Ouais, du coup, là, je... canon. Elles sont pas chères non plus, hein. 44. 40... Ouais, 45$. J'arrive jamais à avoir assez de raisons pour. Et donc, le verdict est tombé. À l'achat de 75
$15 chez Fila, vous recevez une réduction de 15% supplémentaire grâce à l'application Simon. Donc encore une fois, si vous venez ici à Outlet, super. Si vous venez ici à Outlet, il faut absolument télécharger cette application. Et hop, je m'en vais. Allez, let's go. C'est pas facile d'être parent de 4 petites filles. Pas facile. Voilà, on aura trouvé une petite voiture. Regardez quelle belle voiture. C'est Liana qui conduit. Tut tut tut, clic tic klaxon. Les filles terminent leur course ici à Victoria's Secret. Elles veulent acheter des brumes. Donc voilà. Hop là. Ma bibiche qui recadre, comme ça on la voit bien. Hein, mon amour. Comme ça, t'es dans le vlog aussi. Hein. Donc voilà, on a fini notre petit tour pour cette année vers Outlet. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Oh, ouais, mon cœur. Tu es sur le vlog, mon chéri. Ouais, mon bébé. Hop là. Hop, hop. Est tombé, c'est pas grave. Là-dessus, je vous quitte. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.